Nos héros sont arrivés à Céladopol pour essayer de faire le quatrième match extrême. Il était temps. La vache! Il y a quand même beaucoup de choses à faire! J'ai vu un truc intéressant là-bas. La pizzeria de Céladopol? Oh, tu parles de manger là? Des pizzas? Wow, j'en ai l'eau à la bouche. Vous êtes sûr qu'on ait vraiment le temps pour aller manger une pizza? T'as pas faim, petit phoque? Maintenant que tu le dis, c'est vrai que je serais pas contre pour manger un morceau. C'est vrai, moi aussi j'aimerais bien manger un petit peu. Ça fait même très 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 longtemps que j'ai pas mangé de pizza. Bon bah qu'est-ce que vous attendez? On attend le déluge ou on va peut-être manger une pizza? Ouais, allez manger! Bonne idée! Tu as envie de gagner. Chance et malchance! Bonjour, bienvenue dans la pizzeria de Luigi. Que puis-je faire pour vous? Quel genre de pizza désiriez-vous? Luigi? Oh, c'est bizarre, mais vous me faites penser à quelqu'un. Ah bon? Dites, est-ce que... Enfin, vous ressemblez pas genre à Mario? Mario, c'est mon frère. Votre frère? Hein? Oh! Oh, vous connaissez Mario? Si on connaît, oui. Il nous aide à progresser notre chemin en nous donnant des cartes. Alors comme ça, il aime vraiment donner des cartes ou les vendre ou les donner. Il est vraiment sympa, Mario. C'est clair. Et vous, Luigi, vous travaillez dans ce cas dans une pizzeria? Bah, à vrai dire, ouais. Et depuis que j'ai pas revu Mario, bah chacun s'occupe comme il peut. Hein. Je vois ça. Du coup, est-ce que vous avez le menu? Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Alors voyons voir, voyons voir. Il y a beaucoup de choix. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont pensé les gars? Voyons voir, laisse-moi regarder. Pareil. Ouais, je vais regarder aussi. Attendez, je vais voir aussi. Prenez votre temps, il n'y a pas le feu au lac. Dans ce cas, est-ce que vous prenez celle-ci? Ouais, pas de problème. Oh, formidable! Oui, 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 je suis pas contre. Ok, va pour celui-là, mec. Super. Bon, ben, on va prendre celle-ci. La bœuf cheddar. Ok, pas de problème. Mais par contre, je dois vous prévenir d'un truc. Les pizzas que je fais sont... C'est assez long à préparer. Donc, il faudra beaucoup de patience. Beaucoup de patience? Ça va pas prendre longtemps, au moins. Si. Tant que ça? Moi, je fais des pizzas vraiment maison. Je mets du temps, je fais tout ceci, je fais tout cela pour faire la pizza parfaite. Ah! Si c'est juste une question de temps pour une meilleure qualité, franchement, je suis pas contre. Alors, juste par contre, je vais vous demander au moins de payer comme ça, moi, c'est déjà fait. Oui. Alors, combien ça coûte? Ça fera 12 euros, s'il vous plaît. Waouh! Eh ben dis donc, ça promet d'être une bonne pizza, hein. Ok, alors j'ai mis mon argent. Et voilà. Oh, merci beaucoup. Ok, c'est bon, je vais commencer à préparer la pizza et illico presto. Vous pouvez faire autre chose, je ne sais pas. Justement, on va tout participer au match extrême. Quoi? Vous participez au match extrême? Ouais. Ah, je vois. Dans ce cas, je vous dis bonne chance. Et je précise le mot chance pour cette arène extrême-là, parce que vous aurez bien besoin de chance. Ok. Ok. On y pensera, merci beaucoup. Revenez au moins, genre, dans 30 minutes, grand maximum. 30 minutes? Ça va. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure.
C'est bien par là. L'arène extrême. L'arène extrême, c'est la Dopole. Nous attend, les gars. Je promets que je vais faire beaucoup d'efforts. Et je vais vous dire clairement, ce sera mon tour de faire cette arène. Tu es sûr de toi, des tartes? T'es vraiment sûr? Bien sûr que j'en suis sûr. Il n'y a pas de raison que je puisse pas y arriver. N'est-ce pas? Vous avez confiance en moi? Les amis, je suis désolé de te dire ça, t'es tarte, mais là, j'ai l'impression que t'es un petit peu fou. Pourquoi un petit peu fou? Qu'est-ce que tu insinues, Simba? Je veux dire que tu précipites un peu les choses, t'as même pas encore vu le challenger, tu veux déjà jouer. Tu veux pas laisser un peu Franklin jouer? Bah, c'est gentil à toi, Simba, mais tu sais, il reste moi, Tetart, et ensuite il reste Grand Schtroumpf. Je veux pas qu'on essaie plutôt mettre Grand Schtroumpf si tu ne veux pas. Simba! Quoi? Sérieusement? T'as pas confiance en moi, ça se passe comment? Simba. Je pensais que t'avais confiance en moi. Moi, Mickey, je sais que c'est un gros connard. Et toi, tu me dis soudainement, ah bah en fait, pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Pourquoi? Je pensais que je pouvais compter sur vous. Tetart, s'il te plaît. N'essaye pas d'aggraver la situation. Enfin, Simba, toi non plus, n'aggrave pas. Enfin, ne remuez pas le couteau dans la plaie. Je vais vous prouver. Je sais que je peux le faire. Entendu, Tetart. Il est vrai que tu as fait beaucoup d'efforts pour vaincre Mickey. Et en plus, tout seul. Tetart, vas-y. Rien ne t'en empêche. Merci beaucoup, Franklin. C'est vrai qu'il a fait beaucoup d'efforts pour battre Mickey. Il avait quand même une bonne stratégie, je dois le dire. La chance, ça sera dans ce cas pour moi. Oh, j'ai hâte en tout cas de voir la tête de ce champion extrême. Il me hâte de le combattre. Ah là là, tétard. Salut à vous, moi c'est Yoshi. Je suis le champion extrême de Céladopole. Aurez-vous assez de chance pour me battre? Oh, j'y crois pas, hein, Yoshi. Cool, c'est bien ce qu'il me fallait. C'est dans ce cas toi, mon challenger, un tétard? Je m'attendais peut-être à mieux que ça. Eh, hey, faut pas me sous-estimer. Je suis peut-être petit, mais par contre, j'ai beaucoup de chance comparé à toi. Alors, que je m'explique. Tu te trouves dans l'arène extrême de la chance. Il n'y a que les plus chanceux pour essayer de me battre. Et pour me battre, t'as besoin de beaucoup de chance. Si t'as pas de chance, c'est pas possible que tu puisses me battre. Ça, c'est ce que tu crois, hein. Y a pas forcément que la chance dans la vie. Si tu le dis, tu souhaites te battre? Bien sûr que je veux me battre. Je veux prouver que je suis pas une mauviette. Je vois. Dans ce cas, je te souhaite bonne chance. Un combat lancé par le champion extrême, Yoshi. Tu vas voir, je vais te faire parler mes points. Et moi, je vais te faire parler toutes mes techniques que je connais. D'ailleurs, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Cette arène extrême est très particulière. Vu que ça te concerne la chance, j'ai dans ce cas ici présente une pièce. Et qu'est-ce que tu vas faire avec cette pièce? Tu vas jouer au ricochet avec? Pas exactement. Alors dis-moi, pile ou face pour toi? Face. Ok. Dans ce cas, pour moi, ce sera pile. Je vais te dire quelque chose. Selon le tour et selon l'effet que je vais apporter à cette pièce, si c'est pile, je m'accroîtrai un bonus. Mais si jamais c'est face, ce sera toi qui portera le bonus. Est-ce que t'as compris? Attention, ça se joue sur la chance. N'oublie pas. Ok. Va pour ça. Entendu. C'est parti. Que le combat commence avec la pièce. Eh ben, ce sera pile.
Dommage pour toi, j'augmente l'attaque pendant 2 tours. L'attaque de Yoshi augmente. Oh non! T'as pas eu de chance, c'est tout. Ça commence déjà mal pour tes tartes. L'attaque de Yoshi est en train d'augmenter. C'est vraiment le roussi. Si jamais dans certains tours, si jamais ça s'empire de tour en tour et qu'après c'est Yoshi qui remporte des stats... Ouais, je crois qu'il est vraiment dans une impasse. Mais tes tartes est bien malin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On verra bien. L'attaque qui monte ou pas du tout, jamais je me laisserai faire. Avec un œil de perdu, tu risques de bien moins voir, tu manques de précision. Je sais même pas comment j'ai perdu mon œil. Et puis de toute façon, je vais te dire un truc. Moi, mon œil, que j'en ai un de moins ou un de plus, j'ai toujours la même vue. Et je vois très bien ce que je fais. J'aimerais bien voir ça. Cascade ! Ce n'est pas très efficace. Tu n'as pas compris que je suis de type dragon. Les attaques type eau me font pas beaucoup d'effet. Oh, j'aurais dû mieux réfléchir à 2 fois. Double baffe. Et n'oublie pas que mon attaque augmente. Ah, tu veux dire qu'elle a déjà augmenté? Attaque double baffe, même attaque dans ce nombre de fois, mais en plus de ça avec son attaque augmentée. Ah, ça fait des dégâts. Tétard est en mauvaise posture à cause de cette attaque-là. Oh, faut bien qu'il ait plus la peine à esquiver. Attaque double baffe permet d'attaquer 2 fois en un tour. Laser glace. Super efficace. Oh, je devais le savoir qu'il allait faire ça. Oh. Wah, 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 wah. Draco charge! Il met du temps pour pouvoir atterrir. Je vais pouvoir esquiver facilement. Vite! Oh non, je t'ai raté! Pas de chance pour toi! C'est le cas de le dire. Mais la prochaine fois, ce sera pas toi. Les effets ont été dissipés. Ok, dans ce cas, retentons notre chance. Le prochain effet qui va arriver, ce sera dans ce cas augmenter beaucoup la défense spéciale pendant 2 tours. Oh la vache! Allons-y. C'est parti! Et ce sera pile! Oh non, 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 non! C'est vrai, je prends pas mon jour du tout. La défense spéciale de Yoshi augmente beaucoup pendant 2 tours. Comme ça, tes attaques laser glace me feront pas autant d'effet. C'est bien ma chance. Tétorte. Si seulement tu avais de quoi eu d'une capacité physique de type glace. Il y a très certainement un moyen. Mais je n'ai pas appris cette attaque-là. Il me faudrait une attaque physique. Si seulement. Allez, j'ai pas toute la journée. Oh, ça va, hein? Laser glace! Super efficace! Comme je le disais, ça me fait pas beaucoup d'effet. Draco griffe! Coup de boule! Dis donc, pas mauvais cette attaque, pas mauvais. Draco souffle! Aïe! Ressaisis-toi, tes tartes! Tu vas pas abandonner comme ça! Ah, il est fort. Je pensais pas. Y a-t-il autre chose que tu peux peut-être gagner, non? Faut toujours croire en toi! Peut-être que la prochaine fois, ce sera toi qui aura la. La pièce qui va te dire que ça sera face. Tu n'es pas d'accord? Ouais. J'y arriverai. Les effets ont été dissipés. Entendu. Dans ce cas, je vais dire que le prochain effet sera... On va dans ce cas augmenter beaucoup l'esquive pendant 2 tours. Pff, allez, si jamais c'est encore pile, je vous jure, je me suicide. Et ce sera... Oh tiens, encore pile.
Mais... J'en ai marre. Tétard, c'est pas une bonne chose à faire. Allez, ressaisis-toi. Oh. J'en ai marre, j'ai pas de chance du tout. J'aurais dû vous laisser un grand chou à Franklin. Tétard, c'est pas des choses à dire. Alors arrête de te lamenter sur ton sort. Allez, maintenant, bats-toi. Ok. L'esquive de Yoshi augmente beaucoup pendant 2 tours. Tu ne mourras pas. Laser glace. Esquive. Olé. Olé. Évidemment. Prépare-toi. Point draconique. Je vais pas abandonner comme ça. Trouve quelque chose à faire, Tétard. Tu as quelque chose pour essayer pas en sorte qu'il s'échappe? Peut-être que... Rappelle-toi des stratégies de petit phoque. Je peux essayer au moins une des stratégies avec mes propres attaques. Blizzard! Esquive! Aïe! Tu es efficace. Et qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Comment c'est possible? Blizzard n'a pas beaucoup de précision, mais pourquoi? Pourquoi? Ah, tu vas le payer. Draco charge. Je t'ai eu. Les effets ont disparu maintenant. 4e tour de pièce. Oh, je sens que ça va être pile. Ou alors il y a des chances que ce soit face. Je commence franchement à douter maintenant. Ouais, et moi je sens qu'il y a un problème dans son jeu. Vous savez, quand je vois cette pièce de plus près, ça me fait penser comme au casino, vous savez, ou bien encore comme dans certains jeux d'argent. Vous savez, on perd tout le temps quand on joue au jeu d'argent et qu'on gagne beaucoup moins, théoriquement on n'est pas gagnant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc avec cette pièce? Maintenant que tu le dis, Franklin, on dirait bien que peut-être. Est-ce que c'est pas une à la façon casino? Faudrait peut-être que je réfléchisse à qu'est-ce que je vais choisir ensuite. Je vais augmenter mon attaque et ma défense spéciale pendant 1 tour et ce sera énormément. Non, je sens que je vais mourir. Et c'est parti. Bye bye, Tétard. Je suis ravi d'avoir été ton adversaire. L'attaque de Yoshi augmente beaucoup, même énormément, je dirais. Et défense spéciale de Yoshi augmente énormément, de 3 points. Omaiwa, Mushindairu. Nani? Cette fois, là, je sens que c'est surtout de la triche. Est-ce que c'est légal qu'il fasse ça? À mon avis, je crois que c'est sa façon de jouer. C'est vraiment pas honnête du tout d'un côté. Mais malheureusement, c'est bâtard. Il y a quelque chose qui va pas dans cette pièce. Tétard, surtout fais gaffe. J'ai l'intention de rester prudent. Attention les yeux. Vite, réfléchis. Poudre sur ma main. Voyons voir si je peux arriver à faire fonctionner ça. Qu'est-ce que tu fabriques? Mais pourquoi il utilise l'attaque poudre sur sa main? Je crois qu'il veut essayer d'utiliser une attaque. C'est bien ce que je voulais. Voyons voir si je parviens à maîtriser cette attaque. Point glace. Super efficace. Coup critique. Quoi? Coup critique? T'as eu de la chance. J'aurais dû augmenter la défense à la place de la défense spéciale. Tout apprend point glace. C'est pas possible. Point glace? J'ai appris point glace? Ah, ça m'arrange beaucoup. Oh la vache, j'y crois pas. Tu m'as mis en colère. Mais cette fois-ci, ça va pas se passer comme ça. Attaque ultime à point.
C'est parti! Eh ben, là, ça a été bénef. Je le savais. Oh, mon ventre. Des tartes. C'était fatal. Des tartes. Vraiment, fais gaffe à cette pièce. Mais est-ce que tu peux moi te relever? Tu n'avais aucune chance contre moi. Tétarte! Tu oses dire que tu as gagné? Hein? Qu'est-ce qu'il vient de dire? T'es encore debout, toi? Et tu oses penser que j'étais en fait KO? Malgré l'attaque, j'ai quand même beaucoup subi. J'ai même encaissé. Quoi? Eh non, pas question. Je peux pas gagner comme ça. Oh que si. Hein? J'ai appris à endurer toutes les attaques. De tout et n'importe quoi. Donc, à un moment donné, je suis habitué. Les effets ont été dissipés. De toute façon, je gagnerai dans ce cas la prochaine manche. Cette fois-ci, ça va barder jusqu'au bout. J'augmente tous les stats. Beaucoup pendant 2 tours. Et là, je m'affirmerai que tu sois bel et bien vaincu. Tétarte, la pièce. Pistolet à eau. Qu'est-ce que tu fais avec ma pièce? C'est face. C'est face. J'ai prévu pile. Bien joué, Tétarte. Tous les stats de Tétarte ont été augmentés beaucoup pendant 2 tours. Ça, c'est toi qui vas le payer. Oh hey, hey, hey. Si tu veux, je peux déclarer forfait, y'a pas de problème. Hein. Je peux te donner dans ce cas-là déjà l'emblème. Oh que non, mon petit Yoshi. Je vais te dire un truc. Là, cette fois-ci, moi, Tétarte, j'ai vraiment accumulé beaucoup de toutes ces bêtises. Et maintenant, voir qu'on se fout de ma gueule, maintenant je suis habitué, mais on me la fait plus à moi. Je le sais bien qu'au fond, tu as dû tricher en essayant de gagner à ton avantage, en ne restant que sur le pile, depuis le départ. Bonne déduction, très bonne déduction, parce que la chance me sourit toujours, à vrai dire. C'est comme ça qu'on gagne facilement aux jeux d'argent ou tous les jeux de hasard. C'est comme ça. Eh ben franchement, t'as tort. Ça a toujours été le hasard. Ta chance, tu ne l'as fait que faire en sorte à cause de toi qu'il est toujours. Mais au final, ta chance est devenue malchance. Parce que c'est moi qui retournais la situation. T'aurais pas dû. Et pourtant, je l'ai fait. Je t'éliminerai dans tous les cas. Tu m'as donné dans ce cas un bonus de tous les stats, beaucoup pendant 2 tours. J'ai vraiment le temps de t'achever à grands coups. Piste là-haut, depuis le sol. Hein? Prends plutôt ça va te calmer. Laser glace. Spiafcasse. Coup critique. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Close combat. Yaha! Esquive. Raté. Et hop là. Hey, arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Oh, je chevauche un Yoshi, c'est excellent. Je vois que Tétarte est en train de s'amuser. Lâche-moi, espèce de vieux tétard. Je vais t'assommer. Tu crois savoir si bien m'assommer? En faisant Dracocharge, je t'aurais déjà éliminé. Dracocharge! Et pas si vite! Laser glace! Spiafcasse! Point glace! Spiafcasse! Tous les effets ont été dissipés. Ah, wa 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 wa.
Down. Yoshi n'est plus capable de se battre. C'est Tetart qui remporte le combat. Wouhou! Victoire par la chance. Ça, tu peux le dire. Ça, tu peux le dire. Ouais. Ah, je pensais pas qu'un jour, quelqu'un oserait gagner par chance, et ce, par un Tetart. Et je dois te dire vraiment félicitations pour m'avoir vaincu. Moi, en tant que quatrième maître extrême de tous les secteurs extrêmes, je me dois dans ce cas de te donner dans ce cas ce que j'ai laissé là-bas. Tu peux aller le chercher. L'emblème extrême chance t'attend. Oh, yes, c'est magnifique. Ouais, j'ai gagné l'emblème extrême chance. Bien joué, Tetart. Ah, je suis vraiment heureux. J'ai enfin gagné mon premier emblème extrême. Depuis le temps que j'ai voulu faire une arène comme ça. Je suis tellement ému. Pas besoin de pleurer, Tetart, pour autant. Franchement, bien joué. Mais cet emblème appartient. Regardez, les gens. J'ai emporté mon premier emblème. Je pourrais vraiment m'en faire un deuxième œil. Espèce de petit rigolo. Mais attends, faut bien rigoler un peu. Bien joué, Tetart. Bien joué. J'imagine que vous connaissez votre prochaine destination. Je vous dis bonne chance pour la prochaine. Et vous aurez besoin de chance. Enfin, ce sera pas une arène de chance en tout cas. Ça c'est clair. Bonne chance! Il a vraiment un problème avec la chance. Qui dit que c'est pas plutôt sa chance en fait. Il veut toujours gagner. Eh ben, on lui a fait prouver le contraire. Du coup, c'est où notre prochaine destination? Alors je regarde la carte. La prochaine, ce sera... Parmanie. Bon bah, pas de problème. Maintenant, on va vite se manger une pizza. J'espère qu'elle est prête. Ouais, on a une pizza à manger. Salut Luigi. Alors, est-ce que la pizza est prête? Pas encore tout à fait. J'ai quand même regardé. Elle a l'air plutôt bonne. Oh, devrait plus tarder à être bon. Oh, ça veut dire que c'est prêt. Nyopla. Oh, ça va, elle est magnifique. Waouh, c'est chaud. Surtout, ne vous approchez pas du four. Attendons un peu qu'elle se refroidisse. Waouh. C'est vraiment immense ton fourneau à pizza, Luigi. Et ouais, j'en suis pas un peu fier. Ah, voyons voir un peu. Pas mal. Niota. Voilà, c'est prêt. Allez, venez, sautez un peu. On arrive. Wouhou. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça c'est un petit cadeau de la maison. Je vous offre un petit fromage. Oh cool, c'est gentil à vous, merci. Maintenant, il ne reste plus qu'à la couper. Et voilà, une grande pizza 8 parts pour vous tous. Bon appétit, bueno appetito. C'est génial. Oh, elle est vraiment bonne. Délicieux. Franchement, c'est un délice. C'est la bœuf cheddar, comme vous l'avez demandé. Je vois ça. Et nos héros, dans ce cas, s'arrêtent pour manger une délicieuse pizza. Et parce que ils l'ont bien mérité aussi, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on travaille dur. Leur prochaine destination est dans ce cas Parmanie. Ne manquez pas la suite d'aventure des Pokémon peluches, car le voyage continue.
Voilà un véritable délice. Ça, c'est ce que j'appelle une bonne pizza. J'aurais pas été contre s'il y avait du poisson. Des tartes. Bah quoi? Ouais, de toute façon, le poisson sur une pizza, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Enfin, pour ceux qui aiment le poisson. Surtout sur une pizza. Tu as envie de gagner. Mais ce qui compte le plus, c'est de trouver l'amitié. Rien ne te fait peur. Tu mets tout ton cœur. Tournoi extrême, Pokémon.